Good afternoon, 47. Your target is Vito Duric, arms dealer and sanctions buster. Although the subject of a global manhunt, the target has successfully evaded capture and prosecution for more than a decade. Tired of waiting for the slow wheels of international justice, the client has turned to the ICA. Intelligence places the target inside the Swedish consulate, most likely involved in the operation to extract Strandberg. The situation is fluid, but this is our best opportunity to eliminate him before he vanishes again. The clock is ticking, 47. Good luck. Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième version de la cible fugitive, le trafiquant d'armes appelé Vito Duric. Donc, comme d'habitude, aucune contrainte d'assassinat et déguisement au choix. Donc là, je fais la préparation de la mission. Je vais donc choisir un costume, même si je compte en changer par la suite. Donc le costume d'hiver, gagné avec la précédente cible. Donc au niveau de l'objet de contrebande, on va cacher dans le parking du consulat. Histoire de rigoler un peu, mais je suis pas sûr de m'en servir. On va utiliser le fusil de précision, Sigur 300 Ghost. Mais bon, si tout se passe bien, je m'en servirai pas. Ensuite, Silver Bowler, la corde à piano. Mais par contre, je pense que je vais essayer de changer de méthode en prenant une seringue moderne mortelle. Voilà. Ensuite, au niveau point d'entrée, on va choisir le consulat du parking. Donc, je garde quand même la corde à piano. Ça me semble quand même important de la garder, parce que je m'en étais servi pour la version PS4. Mais là, je vais quand même tout faire pour pas m'en servir et choisir autre chose. L'avantage avec la seringue moderne mortelle, c'est que ça peut me justement... Il n'y a aucune trace, donc du coup, la cible tombe et ça passe pour un accident. Donc, ce qui est très pratique, et donc on n'a pas besoin de cacher le corps. C'est vraiment nickel. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va essayer de procéder ainsi. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change aussi ma façon de... On va faire en sorte d'évacuer le trafiquant d'armes. Peut-être en sonnant l'alerte. On va essayer ça comme ça. L'alarme incendie. Donc, dans un premier temps... Bon, on va écouter ce que dit Diana. Our intelligence indicates the target entered the consulate with a transport vehicle, most likely carrying weapons. He has not been spotted since. Good hunting, 47. I have an update. Interpol has an ongoing operation to apprehend the target, and at least one undercover agent is amongst the target's guards. This does not invalidate the contract, so proceed at your discretion. Voilà, Diana a fini de parler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord
aller se chercher un déguisement parce que ce sera forcément plus pratique. On va reprendre le même qu'on avait pris pour la version PS4. C'est pas le même PNJ, mais donc j'essaie d'arriver par tous les endroits, etc. J'essaie de changer quelques trucs. Hop, allez. Voilà. Tac. Alors voilà. On récupère son arme et on le traîne jusqu'au vestiaire. Et voilà. Hop, c'est parti. Et là, on va faire notre petit nettoyage de zone tranquillement. Donc c'est pareil, le mec que je viens de croiser, je vais pas le neutraliser tout de suite parce que le mec qui a le point blanc, il serait encore bien capable de me voir le neutraliser au loin. Donc autant se méfier. Bon, il y a lui qui est là. Donc lui il a un pass. Ce qui peut toujours servir au cas où. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chercher un marteau, parce que finalement, je n'ai aucun item qui me permettrait de faire diversion. Du coup, c'est bon, il arrive. Je vais pouvoir m'occuper de lui. Hop. On va s'occuper de son copain qui est juste à côté. Voilà. Donc c'est pareil, c'est des mecs que j'avais déjà neutralisés sur PS4. Là, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de en cacher un petit peu plus en arrière dans le niveau, histoire de, si jamais j'avais besoin de neutraliser plus de personnes, d'avoir la place de les cacher. Donc là, je vais laisser une place à côté de lui pour d'autres gardes. Lui, tant qu'à faire, même si ça sert à rien, mais on va quand même le neutraliser, on sait jamais. Parce que des fois que l'alerte le ferait venir, autant quand même anticiper, se méfier. Là, je vais aller chercher des pièces. Alors, il y a le mec au point blanc qui est là, on l'attire avec une pièce. Vu que l'autre est là, le temps qu'il se retourne, comme ça il sera arrivé. Allez, dépêche-toi mon coco. Voilà. Lui aussi. Et donc je vais les cacher quand même assez loin. Allez, au passage on prend des munitions. Vous pouvez constater qu'il y a d'ailleurs
un poison sur la table. C'est vrai que c'est un peu long, c'est des phases un peu longues, hein, traîner des corps, tout ça, mais ça peut être nécessaire. C'est pas une obligation. Mais de toute façon, déjà à cause de l'alerte, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même neutraliser les mecs du sous-sol, quoi. On est obligé d'en passer par là. Alors là, je vérifiais, mais on peut pas fermer la porte. On peut le faire ici, par contre. Voilà. Voilà. J'étais en train de vérifier combien il restait de place. Ici aussi. Donc, le placard est libre. Pour deux placards sont libres. Donc c'est pareil, lui on fait pas, on fait la même chose, on traîne. Je sais pas si je le cache dehors dans la première caisse ou si je le mets dans l'armoire. Je vais voir. Mais ce que j'espère, c'est que ça va pas. En fonction du temps que vous mettez, si vous sonnez l'alarme, faites quand même attention pour quelque chose. Parce que le blond au consulat, il va. Je sais plus son nom là, mais lui c'est pareil. À cause de l'alarme, il risque de venir en sous-sol. Avec des soldats, tout ça, des agents de sécu ou. On va dire des soldats et donc du coup c'est un coup à le croiser avec le trafiquant d'armes, donc plus de monde, plus de difficultés. Donc au niveau timing, ça peut très bien se passer, comme ça peut très vite se compliquer. Donc c'est pour ça que il faudra être dans le sous-sol avant tout le monde. Donc là, je vérifiais que mon costume de base était là, mais je le reprendrai pas de toute manière. Je partirai tel quel. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe. Et en même temps, je réfléchis pour savoir ce que je pense aussi aux caméras. Bon, au cas où, ça, c'est toujours bien d'avoir des items en plus pour faire diversion ou assommer quelqu'un. C'est toujours sympa. Notre ami est toujours là-bas. Hop, maintenant qu'on a la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer là. On va rentrer là afin d'aller jusqu'au système de caméra. Bah, par contre, lui là-bas, on va attendre qu'il ait terminé. Qui s'amuse à regarder par terre. Ouais, mais mon gars, y a rien. On n'y peut rien si tes collègues, ils savent pas ranger. Alors.
Hop, on ouvre la porte. Je pourrais éventuellement jeter. Ouais, non, si je vais le faire, je pense. Voir comment ça se passe. Il va se rasseoir. Voilà. Donc il va pas là-bas. Donc on va jeter. Pied de biche là-bas. On va voir s'il y va. Non. Ça l'a surpris. Mais c'est tout. Bien. Alors. On va choisir autre chose. Ah. T'es chiant toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah voilà, merci. Merci de t'en aller. Alors. On va peut-être balancer une pièce. Vraiment bien la lancer. Assez loin. De façon qu'il y aille. Dépêche-toi que je puisse. Voilà. Donc ça c'est bon, on a détruit le système de surveillance. Maintenant on va attendre que le flic s'en aille pour retourner en sous-sol. Allez, hop. Salut, ça va? Bon, on va laisser les mecs tester leurs armes. Alors, je vais quand même prendre dans mon objet de contrebande au cas où. Voilà. Ensuite, ouais, ça c'est vraiment au cas où, le petit tournevis. Très bien. Alors, où est déjà le boîtier de... d'alarme. Il doit être par là, je pense. Bah ouais, c'est ça. Bon bah c'est parti, hein. On va appuyer dessus. Allez. The target is evacuating 47. You will most likely be using an underground escape route to avoid the rioters. Voilà. Donc là. Comme regarder comment ça se passe. Là, lui, là, et... voilà, il arrive. Ça marche. Donc là, la voie est libre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais les laisser passer. Voilà. Je m'équipe de ma seringue mortelle. Un petit poison dans le cucu de ce petit bonhomme. Faut en fait que je le pique dans le dos. Alors, par contre, il y a un truc qui est marrant. Enfin. Ah tiens. Ah ouais non, ça par contre c'est pas bon ça. Que d'habitude les mecs ils partent. Ah ouais, donc là je vais quand même les pousser parce que
Lui, il part en premier. D'habitude, il part en dernier. Il faut absolument que j'ai le temps de le piquer. Oh, génial. Nickel. Impeccable. Ah, j'ai eu largement le temps. Voilà. Un petit peu, il faut la... empêcher les deux autres d'avancer. Impeccable. Génial. Ah bah c'est nickel. J'ai pu faire ce que je voulais. Ça c'est super. Donc du coup, on va sortir par la rue. On va sortir par l'entrée principale de l'ambassade. Voilà, c'est parti. Bonjour messieurs, les agents de sécurité. Pom 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 pom, le mec qui se promène avec son Sigur 300, tout va bien. Ah, il y a une manif, ouais. Allez, on n'a plus qu'à choisir la sortie. Ah, je suis vraiment très content. Ah non, puis ces dernières semaines, les captures, elles fonctionnent bien. Je me souviens que pour, c'était Sergueï Larine, le faussaire, il me semble que j'avais pu faire que sur Xbox, mais pas sur PS4 à cause de la capture qui avait foiré. J'ai vraiment eu de la chance depuis. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Donc pareil, aussi bien le point d'entrée différent, mais pareil, le point de sortie, j'en prends un autre. Voilà, ça reste assez similaire à la version PS4, mais j'ai quand même changé des petites choses, y compris la méthode d'assassinat qui est différente. En tout cas, j'espère que la... Mais bon, après, c'est difficile de faire vraiment différent, parce que quand on veut faire surtout un rang assassin silencieux, c'est pas évident. En tout cas, c'est le cas, j'ai vraiment le rang que je voulais, c'est impeccable. Et donc, par contre, j'ai bien pris mon temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir très vite sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Abonnez-vous aussi sur la chaîne Immortal71 Camille. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Hitman ou d'un autre jeu. Allez, à bientôt les amis et ciao.